C'est l'histoire du plus grand groupe du monde. En tout cas, c'est ce qui se dit à ce moment-là de l'histoire. En 1971, les Américains ont commencé à quitter le Vietnam. Les Beatles se sont séparés. Jimi Hendrix et Janis Joplin sont morts. Une nouvelle décennie s'ouvre et les Rolling Stones vont l'entamer avec un album qui va définitivement faire d'eux des icônes du rock'n'roll. Bon, vous avez compris, dans cette vidéo, je vais essayer de vous convaincre que Sticky Fingers est le meilleur album des Rolling Stones, pour la musique déjà évidemment, puis pour l'incroyable histoire qu'il y a derrière aussi. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, et puis si ça vous plaît, ben, abonnez-vous à la chaîne, vraiment ça m'aide pas mal. Voilà, c'est tout, bonne vidéo, et direction 1969. Il fait chaud ce jour-là à Hyde Park à Londres. Une large foule est venue assister à un concert gratuit des Stones. Un concert pas comme les autres. C'est le premier avec le nouveau guitariste du groupe, Mick Taylor. Il faut dire que deux jours plus tôt, l'ancien guitariste et membre fondateur des Stones, Brian Jones, a été retrouvé mort dans sa piscine. Derrière les sourires, les Stones vivent une période compliquée. Financièrement, ils sont ruinés. Et cette situation financière compliquée, le groupe la doit entre autres à son ancien manager, Alan Klein. La gestion des affaires du groupe a été chaotique et le fisc leur réclame une somme colossale, même pour eux. Financially dissatisfied, sexually satisfied, philosophically trying. Alors pour renflouer ses caisses, le groupe a une stratégie, enchaîner les concerts tout en enregistrant un nouvel album. Mais cette fois-ci, ils veulent s'assurer du contrôle du flux financier. Ils lancent donc leur propre label, Rolling Stones Records. Un logo est trouvé, c'est la première fois qu'apparaît la fameuse langue rouge. Début décembre 1969, la tournée emmène les Rolling Stones aux États-Unis. En Alabama, ils en profitent pour s'arrêter dans le mythique studio de Muscle Shoals. Voici ce qu'en dit Keith Richards dans son autobiographie. C'était une cahute perdue au milieu de nulle part. Un studio d'enregistrement à 8 pistes dépourvu de toute prétention. Il était déjà entouré d'un parfum de légende parce que plusieurs grands disques de soul étaient sortis de là. En 3 jours, les Stones vont mettre en boîte 3 morceaux. 3 morceaux de légende. Brown Sugar, You Gotta Move. Et la balade Wild Horses. Une équipe de documentaires qui suit les Stones capture le moment où ils écoutent pour la première fois le résultat de l'enregistrement. Après une longue journée en studio, les Stones rentrent à l'hôtel. Et ils écoutent les bandes d'un autre morceau qu'ils viennent d'enregistrer. Il se trouve que c'est leur futur numéro 1, Brown Sugar. Mais pas le temps de s'attarder car deux jours plus tard, les Rolling Stones organisent un festival gigantesque à Altamont, en Californie. Comme une réponse à Woodstock, auquel ils n'avaient pas participé un an plus tôt.
Mais là où Woodstock avait été une célébration de l'idéal hippie, Altamont va tourner au drame. Pourtant, quand le groupe arrive sur le site ce samedi-là, l'ambiance est bonne. Mais elle va rapidement devenir électrique. L'événement a été organisé à la va-vite. 300 000 personnes sont là, les drogues et l'alcool coulent à flot. Et les motards des Hells Angels engagés pour assurer la sécurité sont défoncés aux amphétamines, au LSD et au vin rouge. Début d'après-midi, alors que Carlos Santana monte sur scène, des bagarres éclatent. Santana déclarera ceci. Il y avait de mauvaises vibrations. Les bagarres ont commencé parce que les Hells Angels poussaient les gens. Il n'y avait pourtant aucune provocation. Ce sont les Hells qui ont déclenché toute la violence. De la scène, j'ai pu voir un mec avec un couteau qui voulait buter quelqu'un. La journée va tourner au chaos. Avec comme point culminant le passage des Rolling Stones à la nuit tombée. Just be cool down the front and don't push around. I was round with Jesus Christ. Pendant le troisième morceau, Sympathy for the Devil, une bagarre éclate. Hey people, sisters, brothers and sisters. Come on now. That means everybody just cool out. Un quart d'heure plus tard, alors qu'ils interprètent Under My Thumb, Meredith Hunter, un jeune afro-américain de 18 ans, s'approche de la scène, visiblement armé. Il est poignardé, amené au sol et battu par les Hells Angels. Il meurt de 5 coups de couteau. Sam, we need an ambulance. We need a doctor by that scaffold there. If there's a doctor, can he get to there? Okay, here we're gonna. I don't know what. Le lendemain, le bilan est lourd, 4 morts et de nombreux blessés. Le festival des Stones est un échec cuisant. Jagger, particulièrement, est la cible des critiques. Il est apparu sous son mauvais jour. Clown désinvolte, incapable de contrôler la foule. 1969 se termine et l'incident d'Altamont semble symboliser la fin de l'idéal hippie des 60s. Trois mois plus tard, les Stones sont rentrés en Angleterre. Ils se sont réfugiés dans le manoir que Jagger a acheté dans le New Hampshire. Grâce à leur studio mobile, ils ont repris l'enregistrement de l'album. Un album qu'ils veulent comme un retour aux sources. Fini les expérimentations de la fin des 60s. Retour au rock'n'roll pur et simple. Et le nouveau guitariste Mick Taylor va s'avérer être l'homme de la situation. Mick Taylor opened up some beautiful possibilities, and especially in recording, because I would just lay down 3 or 4 different rhythm guitars. Mick was very much a solo player, incredible melodic sensitivity about his playing. La touche de Mick Taylor est particulièrement présente sur une chanson comme « Can't You Hear Me Knocking » dont le solo final, très inspiré par le jazz, est un chef-d'œuvre du genre. Rajoutez à ça le saxophone de Bobby Keys et les claviers de Billy Preston. Vous avez un des grands moments de l'album. Comme toujours chez les Stones, la plupart des chansons de cet album ont été coécrites par Jagger et Richards, les Glimmer Twins, les frères ennemis. Une collaboration qui repose sur un équilibre fragile mais fécond. You know, we work together and then sometimes we write on our own like songs, you know. And then when we come to the studio, we change them around, and we might change the words. So
You know, if I have to sing one of the songs that he's written, then I obviously change it to the way, you know, I feel the melody goes, you know, and vice versa, you know. So you try every combination, but basically we work pretty much together. Mais au fur et à mesure de l'enregistrement des Sticky Fingers, Richards va s'enfoncer dans son addiction à l'héroïne. À tel point que sur un morceau comme Moonlight Mile, c'est Jagger qui doit assurer la guitare acoustique. L'enregistrement se prolongera jusqu'en octobre. Reste alors à définir la pochette, l'élément marketing et artistique essentiel à la réussite commerciale d'un album. La tâche est confiée à l'artiste new-yorkais Andy Warhol. Il organise une séance photo avec plusieurs modèles masculins, dont l'une des icônes mode de l'époque, Joe D'Alessandro. Au final, cette photo est gardée avec ce titre, Sticky Fingers, les doigts qui collent. Sur les premiers pressages du disque, une vraie tirette peut être abaissée pour voir apparaître un sous-vêtement. L'album est publié le 23 avril 1971. Il se classe directement en tête des hit-parades en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Mais le succès de l'album ne résoudra toutefois pas les problèmes financiers des Rolling Stones. Quelques mois plus tard, ils seront contraints de s'exiler en France, sur la Côte d'Azur. En résultera un autre album tout aussi mythique, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un like. Je vous mets un autre lien vers une autre vidéo ici sur le petit secret de Keith Richards. Donnez-moi aussi en commentaire des idées de vidéos, d'artistes, d'albums que vous voudriez voir traités sur cette chaîne. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. All the other patients,